Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici une pratique de yoga matinal douce et mobile pour une colonne vertébrale en bonne santé. Il s'agit d'une pratique idéale pour les débutants ou toute personne en cours de guérison. Nous passerons par une variété des étirements dynamiques par opposition aux étirements statiques, ce qui nous aidera à explorer des gammes de mouvements plus profonds sans forcer la respiration, l'esprit ou le corps. Donnez-vous la permission de respecter votre propre rythme et de faire des pauses si nécessaire. On va commencer la pratique assise en Sukhasana. Fermez vos yeux. Placez une main sur votre ventre et l'autre sur la poitrine. Reconnectez avec les sensations dans votre corps et dans votre corps. Dirigez votre attention vers votre souffle. Offrez-vous 3 respirations nourrissantes ici. Inspirez par les narines. Expirez complètement. On continue. On inspire et on expire. Une respiration de plus. Lentement, relâchez vos mains sur vos cuisses. Prenez une inspiration sur place. À l'expiration, tournez la tête vers la gauche. Inspirez au centre. Expirez, tournez la tête vers la droite. Inspirez au centre. On continue. 2 autres fois dans les 2 directions. Peut-être vous allez remarquer un bel étirement pour l'extérieur de votre nuque. Continuez à relâcher votre visage et la mâchoire. Retournez au centre. Maintenant, abaissez une oreille vers une épaule. Et d'ici, créez des cercles complets avec la tête et la nuque. Continuez à respirer. Allongez votre dos. Et remarquez où vous ressentez cet étirement. À votre rythme, changez la direction de vos cercles. Ralentissez le mouvement. Roulez les épaules vers l'arrière. Placez la main droite au sol. À l'expiration, penchez vers la droite. Inspirez pour soulever. Expirez, main gauche au sol, penchez vers la gauche. On continue. Inspirez, dos long. Expirez, flexion latérale. Gardez le fessier opposé au sol pendant votre flexion. Ressentez le grand ouverture pour votre torse. Bougez avec fluidité. Dernière répétition vers la gauche. Inspirez pour soulever.
Roulez les épaules vers l'arrière. Maintenant, écartez vos deux jambes. Placez la main gauche au sol. Inspirez sur place. Expirez, penchez vers la gauche. Inspirez ici. Expirez, demi-cercle vers l'avant, main droite au sol, flexion latérale. Pause pour l'inspiration. Et à l'expiration, on bouge. Peut-être cette fois, vous allez aussi remarquer un grand étirement pour l'intérieur de vos cuisses, l'arrière de vos jambes et les hanches. Suivez le rythme de votre souffle. Lentement, soulevez votre torse. Gardez la jambe gauche tendue. Pliez votre genou droit, pied droit vers l'intérieur de votre cuisse. Inspirez, soulevez les bras. Expirez, flexion latérale. Inspirez, sur place. Expirez, guidez la main droite en arrière de votre fessier droit. Poussez dans la main, soulevez votre corps. On continue. Expirez, flexion latérale. Inspirez, sur place. Expirez, posture du bébé chat sauvage. Ouvre la poitrine et vos hanches. Retournez vos fessiers au sol. Parivrita genu sirsasana. Une autre fois à votre rythme. Ouvrez votre corps vers le ciel. Et on se redresse à la verticale, roulez vos épaules, pliez la jambe gauche et cette fois allongez la jambe droite. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Expirez, main droite au sol, flexion latérale. Inspirez sur place. Expirez, main gauche en arrière de votre fessier, soulevez le bassin, ouvre la poitrine. Inspirez sur place. Expirez, bassin au sol, flexion latérale. Deux autres fois à votre rythme. À l'inspiration, redressez la verticale, pliez la jambe droite, et d'ici, installez-vous à quatre pattes, posture de la table. À l'inspiration, abaissez le ventre, arquez le dos, posture de la vache. À l'expiration, arrondissez votre dos, montant vers la poitrine, posture du chat. On continue. Ressentez la belle étirement pour le haut de votre dos et l'arrière de votre nuque. Trois répétitions de plus. Retrouvez votre dos neutre. Pressez dans la main droite. À l'inspiration, soulevez le bras gauche. Expirez, guidez votre bras gauche entre la main droite et la jambe droite. Inspirez pour soulever. Expirez pour abaisser. On continue. Utilisez le support de vos obliques pour vous aider avec votre rotation.
À la prochaine inspiration, soulevez le bras et étirez votre torse. Et cette fois, à l'expiration, posez votre bras gauche et la tête au sol. Si vous le désirez, vous pouvez garder votre paume droite en dessous de votre épaule. Peut-être allonger le bras vers l'avant de votre tapis ou guider la main droite en arrière de votre dos. Prenez des respirations amples et profondes ici. Relâchez votre visage et le haut de votre corps. Si vous avez la main droite en arrière de votre dos, retournez votre paume au sol. À l'inspiration, soulevez le bras gauche et expirez, posture de la table. Prenez deux répétitions de la posture de la vache et la posture du chat. Libérez la tension de votre corps. Reconnectez avec votre respiration. Inspiration, soulevez le bras droit. Expirez, penchez votre torse, abaissez le bras. Inspirez pour soulever, ouvrez la poitrine. Expirez, engagez les obliques, fléchissez le coude droit. Une autre fois. On garde le bassin relativement stable pendant ces mouvements. À la prochaine inspiration, soulevez le bras et étirez la poitrine. Expirez, Parsvabalasana. Relâchez le bras droit et la tête au sol. Choisissez votre variation de cette posture et lâchez prise. Retournez votre main gauche au sol. À l'inspiration, soulevez le bras droit, ouvre la poitrine.
Expirez main droite au sol. D'ici, guidez vos fessiers vers vos talons, posture de l'enfant. Relâchez vos bras. Détendez les muscles de votre dos et vos hanches. On va rester ici pour environ 7 respirations. Avec le support de vos bras, lentement redressez à la verticale, prenez votre temps. Roulez vos épaules vers l'arrière. Asseyez-vous confortablement. L'inspiration, soulevez les bras, joignez les mains ensemble. Expirez, prenez au corps. Deux autres fois, inspirez pour soulever. Expirez pour abaisser. Une dernière répétition. Joignez les paumes de vos mains. Pour unir l'esprit et le corps, pour harmoniser le souffle et la vie. Offrez-vous cet espace pour honorer votre pratique. Namasté. Je vous envoie de l'amour et de la lumière. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous, partager votre expérience et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.